Hello, hello. Bonsoir, bonsoir. C'est vrai que je suis un peu grippé. Est-ce que le son est bon? Hello, hello. Est-ce que le son est bon? Cinq sur cinq. Cinq sur cinq. Oh, Frédéric, Badingon, quoi. Bonjour. Wow. Bon. Non, ça va. Bon. Petit live chap-chap, on va aller loin. On n'a pas beaucoup parlé. Nous allons aller vers quelqu'un qui a été un grand concepteur de la voix du Mapan, mais qui est resté longtemps dans l'ombre. Voilà, on va s'en raconter. Vous savez que nous, le sanglier, nous, on est toujours là pour construire et déconstruire les carrières des gens. Construire et déconstruire les carrières des gens. Mais on déconstruit plus les carrières des malhonnêtes et que les carrières des nets, des honnêtes citoyens. Voilà. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Bon, on va aller droit au but. Hein. C'est juste une petite vidéo qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter intégralement au peuple gabonais qui essaie de suivre votre actualité depuis votre retour de Brazzaville? Moi, ma famille, je me nomme Jay, Kevin, Sefa, généralement, activiste. Oui, mais quand les Gabonais ont vu le président de la République au niveau de Brazzaville, ben, beaucoup se sont posé des questions. On vous a vu dans l'ombre, mais certains se posent la question, qui est ce dernier, qui est CFA? Est-ce que vous pouvez vous présenter intégralement quel rôle vous avez joué? Est-ce que aussi vous avez passé les 7 ans d'exil au même titre que Mbumpis ou comment? Alors, déjà, il faut dire que je suis parmi les membres fondateurs de la voix du Mapan. Oui. Et nous avons créé la voix du Mapan, j'ai toujours été là. Et comme tous ceux qui m'ont toujours côtoyé et qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très discret. Et je suis celui-là qui a toujours été dans l'ombre. Donc, effectivement, j'ai fait 7 ans d'exil avec Bombings au Congo. 7 ans d'exil très difficile. Et oui, quand notre président a fait son premier tour au Congo, donc à Ouyo, oui, j'étais là. Et généralement, je me fais toujours, je reste toujours discret. Parce que j'aime ça, j'aime la discrétion. J'aime toujours travailler en arrière pour être celui qui est parmi les concepteurs de l'ombre. Voilà. Est-ce que cette partie de l'histoire est un concepteur, mais toujours dans l'ombre, ça vous va, ça vous sied? Est-ce que vous vous sentez bien à l'intérieur et vous n'aimez pas le grand public? Non, ce n'est pas un problème d'aimer le grand public ou pas. C'est juste que dans ma nature, j'aime la discrétion. Oui, je me sens à l'aise dans tout ce que je fais au calme. Pourquoi? Parce que je n'aime pas trop être sous les flashs
sur les projecteurs. J'aime être celui-là qui est derrière la conception générale. Moi, avec tous ceux qui sont sous les projecteurs, je suis toujours parmi. Mais je reste distrait. Ok, ben donc, quand disent que M. Sepa, avant que vous ne quittiez par exemple le Gabon pour Brazzaville, pour un exil politique, où tu fus un entrepreneur, est-ce que c'est exactement vrai? Oui. Avant de rentrer dans la politique, oui, j'étais un entrepreneur. J'avais ma structure qui se nommait Lips Multiservice. Oui, je faisais de l'entretien de bâtiments et de nettoyage. Oui, mais parce que depuis votre arrivée, je vois bien qu'il y a des jeunes qui tournent autour de vous par rapport à cet idéal-là, parce que beaucoup ne vous connaissent pas. Mais dans les bas quartiers, il y a des gens qui témoignent en faveur de vous, que grâce à vous, ils ont quand même connu ce que l'on appelait l'emploi. Mais depuis votre départ pour l'exil politique, ben, certains ont perdu cette main quoi, d'être un petit débrouillard, aller faire des petits métiers, par exemple, comme vous, le jardinage et la réparation des clims et les poses des clims. Et qu'est-ce que vous dites face à cela? Oui, depuis mon retour, il y a plein de... Bonjour ma petite soeur Adèle. Depuis mon retour, il y a plein de gens qui m'ont contacté pour savoir si est-ce que la structure va toujours faire surface, est-ce que je suis toujours le même le promoteur qui encourage les jeunes à faire dans l'entrepreneuriat, est-ce que je suis toujours celui-là qui a toujours encouragé les gens de ne pas mener une vie, soit de débauche, une vie où il y a le vice et les risques de la vie d'attrape. Oui, je leur ai dit, effectivement, je suis sur le projet. J'ai perdu beaucoup des opportunités que j'avais, l'entreprise avait fermé parce qu'il y avait la politique qui est entrée en jeu, on était traqués, tout le monde au chômage, tous les gens que j'employais, les gens m'appelaient. Et puis j'ai rassuré, j'espère que j'aurai la possibilité de relancer les structures pour que les jeunes d'abord soient prêts. Oui, mais est-ce que vous pouvez un peu nous raconter vos sept ans d'exil? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être au pays, de retrouver vos anciens amis, même les petits qui ont perdu du boulot? Qu'est-ce que ça vous fait présentement? Déjà, l'exil était très difficile. C'est par la grâce de Dieu que nous avons essayé de respirer un peu plus tard. On a passé du temps dans un petit village. Je vais faire certaines choses qu'on ne faisait pas ici au pays. On arrive à vendre des gâteaux, on arrive à faire la vente des fous, à vivre vraiment comme si on était des vrais, des droits, et ainsi de suite. C'était très difficile. J'essaie de leur montrer en bref les conditions dans lesquelles nous vivions, c'était très difficile. Et oui, ça nous faisait mal non seulement parce qu'on avait des difficultés au Congo pendant l'exil, mais aussi nous avons perdu, j'ai perdu beaucoup des parents, des êtres chers, je n'ai pas pu assister à leur funérailles et autres. Maintenant, oui, je suis très content de retrouver les miens, de retrouver tous ces jeunes-là qui pensaient qu'on ne pourrait plus jamais se revoir, qui pensaient aussi que d'autres pensaient au départ qu'on était déjà mort et ainsi de suite. Oui, ça m'a fait grand chose de les retrouver tous. Oui, ben après votre départ, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que après votre départ, à Liber Bongo, Ndiba a pris la peine de fermer vos entreprises, ou soit de bloquer les marchés qui vous étaient octroyés autrefois? La seule chose qu'il faut retenir aujourd'hui pour aller dans le contraire de la question, c'est de croire aujourd'hui que nous aurons l'opportunité par le nouveau président de la transition qui pourra aussi nous ouvrir la porte parce que, effectivement, pour moi, si je. Pour ceux qui m'écoutent, dans une esprit de restriction, il nous a très 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 fait du mal. Parce que le fait de fermer l'entreprise, il a favorisé le chômage au pays. Beaucoup de jeunes qui s'est démarqué avec le salaire qu'on a donné, ils sont partis au chômage. On espère que le président de la transition, son excellence, M. Bussolini, pourra nous donner la possibilité d'évoluer cette entreprise et avoir aussi la possibilité d'avoir les marchés. Ok, d'accord. Mais en revenant sur la date du 30 août, juste une heure ou quelques secondes après l'élection, où on proclame Aliber Bongo Ondimba vainqueur, et de suite c'est su par un coup d'État, étant du côté de Brazzaville, qu'est-ce que ça vous a fait? Quel a été votre sentiment? Au départ, déjà à 4 heures, les gens nous appelaient, on nous dit qu'effectivement, on a déclaré à Libéraux vainqueur, chose qui ne nous étonnait pas, parce qu'on savait que le PDG était une machine qui
ne veux pas accepter de perdre les élections présidentielles ou quelque autre élection. Mais ça nous a donné un autre boost quand on a écouté effectivement que les forces de l'ordre ont repris les choses en main. Ça nous a donné le choix. D'ailleurs, à 6h du matin, je me suis levé, je voulais champagne. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rentrez dans la peau, vous rentrez dans votre Gabonais, dans votre pays, dans la peau d'un Gabonais fier à nous. Très fier d'être ici. Et après 7 ans d'exil, quand vous vous êtes arrivé au Gabon, en réalité, qu'est-ce qui a changé dans la ville, dans les quartiers, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez vu par exemple un développement qui vous a quand même plus ou moins étourdi pour dire que waouh? Alors, c'est la seule chose qui m'a beaucoup déçu. Parce que quand on parle de fond, de l'ancien pouvoir, de ce comité, on a vu que rien n'a changé. Je n'ai pas encore eu le temps de visiter tout l'Atlanta. On dit qu'Atlanta a beaucoup changé, mais je n'ai pas encore été dans ma maison dans tous les pays de rien n'a changé. En fait, tout ce qui a changé, c'est juste au niveau du pillage du vol. Et plein de jeux qui, effectivement, pensaient que 2016 à 2023, les choses devaient se faire, devaient ressortir des bombes et tout ça, et d'autres devaient avoir la possibilité de vivre un seul instant même, vivre le rêve. Mais rien n'a changé. Tout est dans le déclin. Nous espérons que le nouveau système va tout faire pendant la transition et remonter la porte. Ok, d'accord. Bonjour au grand Luc Mefan qui est là et Kat Germain qui est là. D'accord. Alias Trump. Je voulais vous poser une petite question. Ici, c'est juste une supposition. S'il arrivait, par exemple, que les choses ne se passent pas comme veut le peuple gabonais, quelle serait réellement votre position? Oui, c'est-à-dire que si nous tombons, par exemple, dans la même gabégie que l'ancien système par rapport au nouveau pouvoir, est-ce que vous serez sur le même CFNMEN ou soit vous aurez une autre structure à... Non, non. Cette hypothèse, vraiment, je préfère ne pas tout rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je préfère regarder positif. J'espère que par la grâce de Dieu, Dieu donnera la sagesse, l'intelligence de l'audition, mais pas l'intelligence pour conduire le pays de telle sorte les choses ne soient plus correctes. Exactement, c'est bien. Mais vous savez qu'on a aussi le droit de vous poser des questions pièges. Hein? On ne va pas aller de ce mandat du béni, oui, oui. Je suis d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc, dans tout ça, c'est aussi. C'est normal, ce sont des raccourcis intellectuels. Ok. Et qu'est-ce que vous rassurez, par exemple, au peuple gabonais, hein, par rapport à votre arrivée? Parce que d'aucuns disent que vous êtes sur le point de soit, par exemple, d'être là, de repartir, soit de je ne sais pas quoi. On se pose 1800 questions. Quel est votre idéal, ce de repartir? Parce qu'on sait qu'au sein de Brazzaville, après 7 ans, 2 ans de forêt et 5 ans en ville, vous avez quand même construit une vie. Parce que j'aurais aussi appris que, étant à Brazzaville, vous avez quand même ouvert ou plus ou moins une entreprise au sein de Brazzaville, qui est actuellement gérée par exemple par un ami à vous. Non, non, je n'ai pas ouvert les entreprises à Brazzaville. Ouais. J'ai appris à améliorer dans mon domaine. J'ai l'entreprise d'un frère à moi, qui n'est pas à Brazzaville. Donc, j'ai suivi en même temps des formations pour ne pas perdre la touche dans le domaine des FSS. Dans la lutte contre l'entretien de l'environnement, la lutte contre les déchets plastiques, la destruction de l'environnement. Je me suis accordé à lui pour mieux me faire fonctionner parce que j'ai honte aussi pour l'entreprise. Ok, d'accord. Bon, la famille, c'était juste un petit live chap-chap pour vous présenter qui est monsieur. Bon, je ne trouve pas de questions. Est-ce que ceux qui peuvent bien poser des questions, hein, on attend vos questions. J'ai un spécialiste en question, monsieur Hugues Sylvain Mefan et ma petite soeur bien-aimée, Frédéric Adèle. Donc, si vous avez des questions, on attend. Ici, vous avez CFA. Frédéric, pose ta question. Badinga. Monsieur Oumar Yassou, bonsoir.
Frédéric, toi, pour ta question, c'est qui, monsieur Sefa? Il t'a répondu qui est monsieur Sefa. C'est Sefa. Exactement, c'est lui. Oui, partenaire Omar, bonsoir. On attend les questions. Je crois bien qu'Adèle connaît bien la vie politique et associative du Gabon, ainsi que Luc Mefane et Frédéric Badinga. Donc, on attend vos questions et puis on va boucler le live. On tenait quand même vous présenter qui est CFA, un homme de l'ombre. C'est ça. Il dit, vous étiez à trois dans le combat. Où est Mafioso? Mafiosio. Oui, Mafioso, il est là, il existe, Mafioso. Il sera bientôt, on va vous présenter Mafioso. Ceci est un gars. Ah, lui aussi, c'est un gars de l'ombre, de la voix du Mapal. Donc, vous étiez plusieurs concepteurs de l'ombre, alors. Oui, c'est moi. Ok, d'accord. Badinga, tu es satisfait? Lui dit ok. Ah, ok. D'accord. Mais, bon, Luc, mais on attend, c'est un petit de Makoko comme toi. Donc, non, tu es quoi de Makoko, hein? De Makoko. Donc, grand Luc Mefane, ça c'est un petit de Makoko. Tu l'as pas coaché quand tu étais à Makoko City? Il te passe le bonjour. Ça c'est Luc Mefane. Non, mets-toi. Sylvain Mefane, mets-toi. Voilà. Un résistant pas. Est-ce qu'ils ont des propositions à faire aux nouvelles autorités sur la gestion du pays? C'est Monsieur Oumar Yassou. Est-ce que vous avez des propositions à faire, aux nouveaux dirigeants du pays, aux nouvelles autorités? C'est dire qu'en fait, la classe, le Gabon n'est pas souvent pour certaines catégories de personnes. Il faudrait que les gens pensent à tout le monde, surtout les personnes des quartiers défavorisés. Parce que ce sont eux qui, depuis longtemps, subissent. Qu'est-ce que vous entendez penser à tout le monde? Le grand Luc Mefane, mais toi, vous te renvoie son bonjour. Il te dit qu'il est dans le transport. Oui, et il disait que est-ce qu'ils ont des propositions à faire aux nouvelles autorités sur la gestion du pays? Il faudrait maximiser sur l'entrepreneuriat, ça permet de lutter contre le chômage. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas en fonction, que ce soit ceux qui ont passé le diplôme ou ceux qui n'en ont pas, parce qu'on n'a pas eu la possibilité, on n'a pas tous eu la possibilité d'aller à l'école. Mais au moins, le secteur d'entrepreneuriat, ça peut permettre à beaucoup de jeunes d'être insérés. Et aujourd'hui, quand on regarde, beaucoup de ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes, ils sont obligés de se lancer dans tout ce qui concerne le banditisme et autres. Donc, cherchons à occuper ces jeunes dans tous les secteurs, en commençant par l'entrepreneuriat, La formation. la formation, par exemple. C'est ça. Ouais, Niams, le son n'est pas bon. Mais c'est peut-être ma voix parce que je suis grippé. Pose ta question. Si tu as une question à poser, ben on va boucler le live. Effectivement, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre que. En réalité, la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Mais nous avons cette possibilité de former les petits, par exemple, en électricité, auto, bâtiment, en plomberie, en soudure. Parce que tout ça là, en ouvrant des centres, bien sûr, ça veut dire que tous ces petits qui sont dans les quartiers là, on pourrait plus les orienter. Parce que les nominations, oui, ok, c'est bien. Trouver un petit boulot, oui, c'est bien. Mais avoir de la connaissance, c'est plus ou moins important que recevoir de l'argent. Parce que autrefois, j'ai discuté avec mon oncle qui était un général. Une fois, il m'avait dit, tu sais, je suis général, oui, mais je ne pourrais pas exercer mon métier de général quelque part. Mais par contre, quelqu'un qui est un chef mécanicien à la police, même étant en retraite, il peut continuer à travailler et employer certaines personnes. Donc, j'adhère à ce que vous dites que c'est tout à fait, que
vous avez de l'ambition d'ouvrir votre entreprise qui a été autrefois fermée par Ali Ben Bongo Ndimba pour pouvoir réemployer les jeunes et avoir faire par exemple comment on appelle ça, des ateliers par exemple les dimanches de formation. Voilà, c'est une bonne chose. C'est le genre de Gabonais qu'on a quand même besoin. Parce que tout Gabonais aujourd'hui aspire à la politique et aux nominations, mais ils oublient que l'entrepreneuriat est une bonne chose. Comme faire du commerce. Voilà. La majorité des pays qui sont développés n'ont utilisé qu'une seule chose, les ressources humaines, dans tous les secteurs. Donc on doit faire la même chose. Il faudrait qu'on arrive à avoir la majorité des personnes qui sont capables, selon leurs connaissances, de contribuer à l'amélioration des conditions, à ce que le pays soit construit. Et cela fera du bien au pouvoir en place, qui est le point de la transition. Éradiquer, en même temps, éradiquer le chômage et le banditisme. Parce qu'il y a un petit qui est occupé toute une journée à scier son bois dans un atelier. Il a gagné quelque chose. Voilà. Oui, tu regardes avec moi. Non, il faudrait effectivement que ça soit ça. Il faudrait que les conditions des ressources humaines soient plus ou moins mises sur le tapis. Parce que pour que un pays se développe, il faut que chacun ait sa contribution à sa juste valeur. Donc voilà. Omar Yassoudi, vu ce qui se passe entre certains nominés et les abus au pouvoir qui continuent, font-ils confiance aux nouvelles autorités? Comme qui, par exemple, certains nominés, il y a plus de confiance. Bon. Le grand Luc Mépandi, il a été reçu par le général de brigade. Bon, quand on dit par le général de brigade, il veut dire par exemple, est-ce que tu as déjà été reçu par le président de la République en tant que jeune entrepreneur gabonais qui a été en exil et que l'on a pu fermer ses sociétés? Bon, quand je comprends bien que Luc Mépandi, c'est quelqu'un qui aime bien taquiner. Non, je n'ai pas encore vu cette possibilité, cette grâce. J'espère que par la grâce de Dieu, on pourra se. J'aurai cette grâce. Vous croisez dans ce type de secteur. On discute de cela. Donc, ça veut dire que si le président vous reçoit, votre discussion peut tourner autour de quoi, par exemple? Généralement, moi, je vais tourner autour de l'entrepreneuriat. Il faudrait qu'on maximise tout cela. Ça donne la possibilité d'éradiquer effectivement le chômage. Donc, je ferai des propositions sur cela, sur ce que je suis capable de faire. Parce que nous devons éviter de prendre des choses bien de vouloir des choses dans lesquelles nous ne sommes pas capables d'assumer ses responsabilités. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, selon sa capacité et selon ses facultés. Bon, en t'entendant parler, ça veut dire que tu as du suicide, tu as beaucoup de suicide des jeunes de Mapane alors. Oui, parce que ton rêve, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent sortir de la débauche. Il ne faut que m'appeler pendant que nous sommes en live. Tout ce qu'il faut que m'appeler là, on les appelle comme ça, ce sont des jeunes, des quartiers défavorisés, en fonction de cela. Ils ne font que m'appeler pour me demander à quel niveau, depuis que tu es rentré, est-ce qu'il y a possibilité? Ils sont tous là, tout ce que vous voyez là. Les jeunes de Mapane en absence, ce sont les jeunes de Mapane et tout. Je crois qu'ils ont envoyé des messages, tout ça, ce sont eux. Parce qu'ils veulent ça. Ils en ont marre d'être à la maison au chômage, ils en ont marre d'être livrés à eux-mêmes, donc ils cherchent des issues de sortie. Et ils me trouvent, sinon ils nous trouvent comme solution pour issue de sortie. Lui a dit, c'est pas. Qu'est-ce que tu penses des jeunes collégiens actuellement sans famille, vu la manière qu'ils ont géré le pays? Avaient-ils un petit tambour pour ce pays? Les jeunes collégiens sans famille. Les jeunes collégiens qui sont en prison, donc on te parle de la bande à Nouridine. Bon, ce sont que les jeunes collégiens. Ce sont ceux qu'on appelle les jeunes collégiens. Ils n'ont pas aimé le pays. Ils n'avaient pas de l'amour pour le pays. Ils n'avaient pas de l'amour pour le pays. La preuve en est qu'ils avaient suffisamment d'argent pour faire tout ça. Qu'ils disent la liste des jeunes qu'ils ont pu sortir de là, dans les Mapane. Est-ce qu'ils arrivaient même dans les Mapane? De leur capacité, le pouvoir qu'ils avaient, je pense que les gars étaient souvent dans le vice et les vices de la vie. Les gars, c'était le chou, c'est tout. Ils n'avaient pas de l'amour. Bon, bonsoir, maman Colette et Rebuka. J'espère que tu te portes bien.
Nous sommes avec Stephen Men, l'homme de l'ombre. Il a toujours été dans l'ombre aux côtés de Greenpeace pendant les 7 ans. Et aujourd'hui, on essaie quand même de faire parler de lui. Donc, on attend des questions. Il est là, c'est un jeune Camerounais, un entrepreneur qui a perdu au moins ses entreprises à cause de Ali Baba. C'est ça. C'est ça. Lui, il a dit au moins, toi, tu penses comme nous. Il dit finalement, où sont les commandants Mirak, Mba et l'ange? Ils sont là. Nous avons ceux qui sont restés à la tête de la voie du MAPAN, du grand mouvement contestataire, de contestation révolutionnaire. Ils sont là. D'ailleurs, en ce moment, ils sont du côté des Kouboutiers, entre les intitulés, les jeunes de la MAPAN. Ils sont là. Ils existent. Donc, tu peux rassurer quand même que depuis ton retour, tu es toujours en contact avec les jeunes de la voie du MAPAN. Chaque jour. Depuis, même pas seulement mon retour, je suis en contact avec tous les jeunes de la MAPAN, même en exil. Je suis en contact avec eux. Et ils étaient là à l'aéroport. On a eu l'occasion de faire quelques zones pour discuter avec eux, se dire bonjour, leur mettre sur le terrain, sur le tapis, les objectifs qu'on avait et voir dans quelle mesure on peut, par la grâce de Dieu, les appliquer. C'est tout. On est en contact tous les jours. Pendant que je fais l'émission, ils les appellent. Voilà. Oui, on attend les questions. C'est ça. J'attends les questions. Non, c'est bon, ils sont. J'ai déjà le message d'un jeune qui demandait. Ah, ça, c'est. Tu expliques, par exemple, ça, tu peux dire le message. En tout cas, rassurez-vous, tous les jeunes sont en contact avec moi et avec nous. On espère que les choses iront dans les bonnes conditions pour que chaque jeune soit plus ou moins casé quelque part, où il peut gagner son petit bout de pain, comme on a l'habitude de le dire. Vous n'êtes pas, pourquoi pas, un pain entier et que l'on vive une nouvelle ère. Donc, rassurez-vous, je suis là. Je suis là, toujours dans ma discrétion. Et c'est ma nature, d'ailleurs. Il y a d'autres questions? Bon, lui, il est là. Et il a la petite apporte beaucoup d'argent. Il a négligé sa maison. Et lui, il est là. En tout cas, ce qui est sûr, quand on parle d'insérer les jeunes, il y a non seulement dans l'entreprise qu'on peut ouvrir, mais aussi dans les activités génératrices de revenus. Oui, effectivement, la briqueterie rapporte beaucoup de choses. Donc, oui, ça, c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. Voilà. C'est ça. Donc, il y a plein notre secteur, le plus important, c'est que nous arrivons à trouver, à avoir des possibilités de dans chaque secteur, de caser des gens. La briqueterie peut, oui,
C'est un bon business. On peut caser des jeunes qui vont travailler et puis qui sont rémunérés. Il y a d'autres. Plein de choses. Il y a plein de jeunes qui maîtrisent la cuisine. Il y a des petits restaurants qu'on peut faire pour employer les jeunes, histoire de les occuper et ainsi de suite. Voilà quoi. Nos sœurs qui sont plus ou moins délaissées. Il y a un mon numéro, mon téléphone sonne. Allô? Oui, Oui. allô? Oui, allô? Bonsoir. Écoute, Dieu est grand, les hommes sont petits, je vais bien. Et toi? Un peu de retour parmi nous après être en exil. Oui, je suis de retour, je suis rentré. Ah, Je on suis rend là. grâce à Dieu. C'est ça, c'est ça. D'accord, mais nous sommes à quel niveau? Parce que nous, on attendait que votre retour, vous nous avez laissé en suspens comme ça là. On espère que les choses vont redémarrer comme avant. On est là, on attend toujours. On ne fait rien, nous sommes là. Ce qui est sûr, d'ailleurs, merci déjà parce que tu appelles. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en train de nous battre pour que, effectivement, avec les autorités en place, que tout ce qu'on avait déjà, que Ali Bongo avait fermé et autres, que tout Oui. cela, par la grâce de Dieu, le président de la République, le président de la transition, effectivement, nous donne cette grâce de réouvrir ces entreprises et avoir la possibilité d'ouvrir aussi des activités génératrices de revenus pour que chacun de vous, ou sinon chacun de nous, soit plus ou moins casé quelque part. Donc c'est sur le projet. Et rassurez-vous, je ne peux pas vous abandonner dans cet état. C'est vrai qu'on a passé 7 ans. C'était difficile. Mais je suis maintenant là. Je vais me battre pour que ces choses-là soient réglées. Je ne peux pas donner le délai. Je ne veux pas dire dans un bref ou dans un long délai. Mais je me bats matin, midi et soir pour que ça soit réglé. Rassure-toi. On peut continuer à compter sur vous et être derrière vous comme d'habitude, comme on Direct, l'a toujours fait. comme toujours, comptez toujours sur moi OK. et ça ira. Je vais tout D'accord. faire, ne vous inquiétez pas. OK, merci. Merci beaucoup d'avoir appelé. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Chacun appelle pour demander la position. Chacun appelle parce qu'il y a un petit souci à gauche et ainsi de suite. Donc, nous devions nous battre pour que le secteur de l'entrepreneuriat prenne son train. Et que nous aussi, nous rentrons dans ce secteur-là, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne font rien, qu'on doit prendre pour insérer, et ainsi de suite. Donc c'est aussi un message lancé au gouvernement et au gouvernant, que nous, les jeunes, sommes là, et nous voulons rentrer dans la vie que nous avions avant. Nos activités ont été fermées, et ainsi de suite. Il y a plein de jeunes qui font insérer, donc c'est notre moyen aussi de contribuer à votre politique contre la lutte contre le chômage. Donc, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Tout le temps, c'est comme ça. Et on espère par la grâce de Dieu que le message passera pour que, effectivement, ces choses soient réalisées. Y a encore des questions? Voilà. Bon, ici, il y a des questions. Je crois qu'on va couper le live. C'est ça. On avait juste envie d'introduire, je ne sais pas, C'est ça. en tant que jeune Gabonais, entrepreneur et autrefois actif sur le terrain, dans le sens politique et activiste. Et en même temps, il a purgé ses 7 ans d'exil. Le but, c'était de montrer que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il y a les hommes de l'ombre. C'est Il y a ça. des hommes de l'ombre et c'est pas on fait partie. C'est Donc, ça. c'est un peu ça. Voilà. S'il n'y a plus de questions, bon, toi, tu parles de la pause. Lui, il ne va pas répondre là-bas, il n'est pas directeur. Ça, c'est lui-même. Voilà. Ça, c'est Si son c'est rôle. pour la pause là, on va se battre pour avoir notre argent. Voilà, Ne c'est ça. vous inquiétez pas. Bon, maintenant, si j'ai sauté certaines questions, je ne sais pas. Un niveau de retour au pays a-t-il été bien organisé? Avez-vous obtenu de garanties ou avez-vous perdu beaucoup de choses durant ces 7 ans, cette année? Les nouvelles autorités ont-elles prévu une réparation? Bon, déjà, c'est vrai qu'on avait tout perdu. C'est ce qu'on explique. On a tout perdu pendant la période où nous quittons le pays. Nos maisons étaient pillées, tout ça cassé. On avait tout perdu. Et on croise les doigts parce que les autorités savent que nous sommes ici. On espère
qu'ils ont un regard particulier sur ce point. Voilà. Bon, le grand Luc Befan dit, ont-ils une cellule physiologique ou pour l'exil? Lis un peu le mot là, c'est là. Est-ce psychologique ou quoi? Une cellule psychologique pour l'exilé. Ah oui, il dit, est-ce qu'ici au Gabon, on a une cellule qui prend en compte, par exemple, les exilés psychologiquement? Bon, là, je ne peux répondre parce que je ne sais pas si il y a une cellule qui prend, c'est dans le sens là, qui prend psychologiquement les gens. Si c'est pour parler au cadre du moral que nous avons eu en exil, moral dur, et que même si nous vivons des difficultés ici, est-ce qu'on sera, on aura toujours moral dur? Je tiens à répondre, c'est dans ce secteur-là que, dedans là, c'est du béton. Ok. Il y a M. Oumar Yassou qui dit, selon vous, Ali Baba doit-il répondre de ses actes et traduire devant la justice? Bon. Selon vous, c'est votre point de vue personnel. La justice, nul n'est exclu de la justice. Ou au-dessus? Ou au-dessus de la justice. La justice, elle est faite pour tout le monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui a fait du mal, lui, il doit répondre de ses actes. Ok. D'accord. Mais Freddy, je lis. Tu sais qu'à un moment donné, les messages passent vite. Hugues, je lis. Mais papa, ça passe vite. Et puis, vous comprenez bien que je suis actuellement grippé. Quelle est ta question? Je n'arrive pas à trouver ta question. Freddy MK, repose ta question, s'il te plaît. Freddy MK, repose ta question, s'il te plaît. Parce que parfois, les messages se sentent un peu accumulés, et puis quand tu appuies, ça remonte en flèche. Xé, bonsoir, mon frère Xé. Je suis un peu grippé là, voilà pourquoi est-ce que ma voix est un peu tordue. On attend la dernière question de Freddy MK et on coupe le live. Mais si c'est la question-là, il a répondu dessus, non? Okay. Votre retour au pays a-t-il été... Attends, il faut bien lire la question. Attends, on va bien la lire. On va la lire. Okay. Votre retour au pays a-t-il bien été organisé? Avez-vous obtenu des garanties? Vous avez perdu beaucoup de choses durant ces dernières années. Les nouvelles autorités ont-elles prévu une réparation pour tous ces dédommagements? Alors, déjà, quand nous étions à Ouyo, le président nous a rassuré en disant ceci, je cite, rentrer d'abord au pays, le reste, c'est des détails. Donc, on sous-entend que c'est un homme de parole, nous sommes au pays, et que effectivement il y aura réparation de tout cela. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, qui, je crois, que c'est un homme de parole. La seule garantie que nous avons eue, c'est celle-là. Il nous a demandé de rentrer parce qu'on lui avait effectivement dit que nous avons tout perdu. Nous ne savons pas où nous allons dormir. On a dit ça, c'est des détails. Le plus important, c'est de rentrer d'abord au pays. Et après, sur place, nous allons nous asseoir. Donc, on s'entend qu'il y a eu des garanties sur ça. On se fie à cette parole. Qui est une parole présidentielle? C'est ça. D'un chef. Et ça ne sort pas n'importe comment. Ah. On s'entend que quand un chef a parlé, il va faire. Hein. Donc, on attend. Ok, bon, le peuple gabonais, c'était un peu ça. On vous a merci beaucoup. Ce phénomène. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, peuple gabonais, d'avoir été là durant ce live, d'avoir posé vos questions. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et qu'on se retrouve dans le prochain live du Sef Menimen et du Sanglé au Tchétché. Big respect à vous. Oui. Nous sommes en contact avec tout le monde. Nous sommes en contact avec Mirakumba et Merlin là. Bon, je n'ai pas personnellement encore rendu visite et je le ferai. C'est programmé pour demain soir, je crois, entre demain et lundi. Et il y a des problèmes
Il y a des contextes stratégiques où on ne peut pas rendre déployer tout. C'est ça. Merci beaucoup.